Gonzaga. L'an 2000 approchant, rattraper le retard. Vivons à notre époque et dédramatisons. Non, bien sûr, le pétard n'élève pas la raison. Je le conseille tout de même avec modération. Comme cet alcool qu'on prend jusqu'à la déraison. Et pour quelques noyés est devenu passion. Mais l'église ne dit rien, la cirrhose a raison. Voir un homme tituber ne choque pas la morale. Mais l'alcool, tant loué, vous est parfois fatal. Et le joint si léger dans mon pays natal. Des libertés de l'homme devraient être banales. Malheureusement chez nous, il se vend en sous-main. Si peu dangereux qu'il soit, l'État lui fait la guerre pour une fausse morale. Parce qu'il n'en touche rien. Voilà la vérité dans cette triste affaire. À pétard ou à ricard, si t'as vraiment le cafard à choisir, y a pas photo. Moi je choisis le Marocco. Les alcools ont leur foulard. Le canard c'est le panard. Y'en a qui le mystifient. Moi je fais son apologie. Ce serait pourtant si simple de le légaliser. Deux petits joints par jour, c'est antidépresseur. Si l'État dans ce cas n'était pas l'agresseur, le peuple tout entier pourrait mieux respirer. C'est encore cette fois par l'argent que le bas blesse. Si au moins le hashish pouvait emplir les caisses, nos dirigeants affables fermeraient bien les yeux. Et parfois avec nous s'envoleraient aux cieux. Moi je choisis le Marocco. Les alcools ont leur soulard. Le canard c'est le panard. Y'en a qui le mystifient. Moi je fais son apologie. L'alcool et le tabac ont le droit de tuer. Car au compte de l'État apportent leur denier. Messieurs dames, mourez donc d'alcool et de fumée. La patente est payée. La mort autorisée.